Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Commission présidentielle pour réforme justice l'a organisé jeudi vendredi 17 juillet 2015 l'an, un colloque validation avant projet nouveau code pénal haïtien, une initiative qui permet différents acteurs qui impliqués dans le système judiciaire discuter et puis faire proposition sur avant nouveau code pénal ça qui pourra remplacer code pénal 1835 l'an. Rencontre jeudi vendredi 17 juillet 2015 là entre NDI et représentants diverses organisations de base. Initiative ça rentré dans cadre démarche pour faciliter organisation yo exposer problème population à traverser. Lancement officiel jeudi vendredi 17 juillet 2015 là concours prix René Philoctète de la paix dans direction nationale livre. Yon concours qui a bien pour réaliser en créole ou bien en français. Dans la page internationale journal là, yon l'année après crash avion Malaysia Airlines là dans partie l'est pays Ukraine, tout près frontière russe là, toujours pour qu'on ait aucune conclusion qui fait sous enquête. Dans l'occasion, plusieurs milliers Ukrainiens rendent hommage à leurs victimes pendant le président Petro Porochenko bon côté parle dans une vidéo. L'ONGE doit être sous séparatiste pro-russio comme seul responsable catastrophe ça, qui est la cause de la mort de 298 passagers parmi eux, 193 néerlandais. En tout nouveau service, Inibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Inibank tout côté. Yes. Empreinte digitale seulement. Inibank tout côté. Sans donner à mon copain. Inibank tout côté. Inibank pas pour dormir. Toujours à innover. Alpreka, Inibank tout côté. Paola, même n'importe si qui sale à tout agent autorisé Inibank. À Katila, c'est un paraître. Bay empreinte digitale ou pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service à bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Tout côté, Inibank tout côté. Yes! Et tout côté, Inibank tout côté. Yes, maman! Inibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2299-2020. Commission présidentielle pour réforme justice l'a organisé jeudi vendredi 17 juillet 2015 l'an un colloque validation avant projet nouveau code pénal haïtien. Initiative ça pour permettre différents acteurs qui composaient chaîne judiciaire haïtien discuter et puis faire proposition sur avant projet nouveau code pénal là qui pral remplacer code pénal 1835 là qui détaillait loi sous cybercriminalité, blanchiment l'argent, cyberpédophilie, viol pour ne citer ça seulement. Maître Jean-Joseph Exumé, c'est président commission présidentielle pour réforme et justice qui t'a porté plus explications dans micro Woodlin Eliassin avec Muller Baptiste. Et nous avons cet élément fondamental de la responsabilité des personnes morales. Donc si vous regardez dans le document qui vous a été soumis, vous allez constater qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de nouvelles infractions. Que ce soit les crimes contre l'humanité, que ce soit le génocide, et que ce soit toutes ces nouvelles articulations des crimes sexuels, les agressions sexuelles, le viol, le harcèlement. Mais vous avez toute une série d'autres questions. Et même, alors même le spécial, même le viol entre vous, parce que nous allons peut-être discuter de là. Mais vous voyez toute une série d'infractions nouvelles. Le trafic des stupéfiants, le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, l'interruption illégale de la grossesse, la provocation au suicide, etc., etc., la pornographie infantile, et tout ce qui concerne les crimes et délits résultant des fichiers ou des traitements informatiques,
le vol d'identité et les empreintes génétiques, le délaissement d'une personne mineure, etc., etc. Donc ce qui veut dire que là, vraiment, nous avons affaire à une nouvelle législation beaucoup plus complète. Et nous espérons, comme les nombreuses nations qui va être renouvelée, il ne s'agit pas de faire le code en 2015, lorsque le Parlement va le voter, et que maintenant on a 100 ans avant de le modifier. Il faudra un travail de modification. Ministre Justice et Sécurité publique là, Pierre-Richard Casimir, qui était présent dans le colloque validation avant projet Code pénal haïtien, félicité travail commission pendant le plaidoyer en faveur vulgarisation avant projet nouveau Code pénal ça pendant période électorale là. Pierre-Richard Casimir, c'est ministre Justice et Sécurité publique là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Social ça yo pour que il y ait un travail de codification qui était fait pour que nous-mêmes, à la faveur de l'élection Kabalvina, pour qu'il y ait une vulgarisation de l'innovation, ça va nous proposer. Pour que le monde Kabral sollicite suffrage population, pour prendre des engagements sur l'innovation, ça va nous proposer. Par exemple, nous estimons que, je l'ai dit, le viol est banalisé. En pile fois, l'homme est victime de viol, l'hypothèse de plainte devant la justice. Soit magistrat, par manque de connaissance, manque d'ouverture d'esprit, ou bien par machisme, décider de banaliser un monde qui porte plainte pour viol. Donc il était important pour que nous mettions un peu de sévérité dans le traitement d'un certain nombre d'infractions, et cet exercice ça qu'a fait là, cet exercice de débat et de restitution côté différents acteurs pour avoir opinion sur l'innovation que vous proposez avant le projet Code pénal. 79 ans de ne pas toucher Code pénal. L'ancien Code pénal là, il y a environ 400 articles. Nouveau Code pénal là, il y a environ 1000 articles. Ça veut dire, ne serait-ce qu'en termes de nom, ça a montré qu'il travaille colossal. Et puis, tant comme je dis tout à l'heure, je ne dis à mon enfant, son vaste village, son petit village global, pour dire que l'interconnecté, quand il y a l'infraction qui, dans l'autre pays, côté déjà codifié, code pénal panouan daté de 1835, n'est pas tenu compte de ça. Donc, moi, je pense que c'est un travail extraordinaire. Voilà pourquoi je suis tenu à féliciter. Ministre Justice et Sécurité publique là, Pierre-Richard Casimir, fait connaître gagner un plan sécurité qui déjà mettait sous pied une façon pour permettre l'élection yo dérouler dans un climat sécurité qui a inspiré confiance à acteurs qui impliqués dans le processus électoral. Pierre-Richard Casimir, c'est ministre Justice et Sécurité publique là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Dans l'ensemble, nous constatons que malheureusement chez nous, c'est un problème récurrent, mais chaque fois que l'élection, nous avons monté la sécurité, peut-être que y a des mains visibles qui ont monté la question ça, ou bien il y a des tensions. Et chaque fois que l'élection, nous pensons de ça, voilà pourquoi que actuellement, pendant ma parole, le directeur général de police a fait tourner de ensemble de départements pour que ajuster les mesures qui prend pour que faciliter que le peuple a continué à vaquer l'occupation, le monde qui passe sur l'activité électorale à vaquer l'occupation. Mais comme obligation et responsabilité du gouvernement, ça c'est organiser l'élection, n'a pas toute disposition pour que l'élection déroule dans un climat de sécurité acceptable pour tous. National Démocratique Institute rencontré journée vendredi 17 juillet 2015 dans diverses organisations de base dans Port-au-Prince. Rencontre ça rentré dans cadre enquête NDI pour arriver identifier problème population à confronter. Une initiative qui visait faciliter création d'un climat sécurité favorable à organisation prochaine élection. Léo Span, c'est directeur général NDI en Haïti, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avons voulu créer une manière de dialogue entre les organisations de base et peut-être à un certain moment aussi autres couches de la société, secteur privé et gouvernement. Nous pensons que le résultat, ça a un début de dialogue, identifier quels sont les besoins des organisations de base, c'est quoi ce qu'on vive dans les quartiers où la vie est assez difficile et comment on pourrait améliorer les conditions de vie de la population dans ces quartiers. Il y a pas de bâtiment. C'est des fois la question. Sur quel constat? Alors, on croit que
Moi, on voit qu'il y a des démonstrations, voilà. On voit que pas tout le monde est content, on voit que toutes les voix ont été entendues. Donc nous pensons que c'est très utile de parler avec tous les groupes de la société civile pour voir comment on peut les mettre ensemble. Et si vous me demandez quel serait le résultat, un début d'un dialogue, une identification de la problématique des participantes, des organisations de base qui sont ici aujourd'hui, pour formuler les problématiques et faciliter un dialogue avec les autres secteurs dans la société. Et c'est un bon constat que vous faites, que pour la NDI, c'est très important de contribuer à un climat pacifique autour des élections. Et nous pensons que cette initiative, si ça peut contribuer, ça c'est très bien. Comme j'ai dit, on travaille aussi avec les mandataires des partis politiques, on travaille avec les jeunes pour les offrir le dialogue comme instrument pour achever le résultat. Bon, il y a un pléthore d'activités pour créer une ambiance pacifique autour des élections. Ça, Bon côté PAL, directeur programme NDI Lajid jeudi déclaré initiative ça permet participants yo exposer problème population à traverser. Jude jeudi c'est directeur programme NDI en Haïti qui est dans micro Radio Télé Éclair. C'est aider créer espace pour monde parler. Dans cas ça quand vous comprenez c'est des acteurs clés de la vie de population qui dit tel yo, on nous essaie de garder sa problème de yon. On nous essaie de garder qui ça qui mette nous yon contre l'autre. Mais surtout, on nous essaie de garder qui démarche nous cabran pour adresser problème ça. Qui fait que nous, ces frères, nous vivons dans le même pays, nous pas qu'à parler, nous avons un problème et pays a souffert. Pas de l'autre gens pour que le pays sorti côté de là et à l'autre côté de plus bon petit lit que si petit ça yo accepté que faut que chita ensemble et yo dit tête yo mais qui ça demain en brille. Nous convaincus nous mêmes dans l'India que c'est haïtien qui pour faire ça solution problème haïtien il n'y a pas sorti aucun autre pays dans aucun autre continent. Solution problème haïtien, l'a sorti dans discussion qu'haïtien a bien avec l'autre haïtien, même si au départ, yon pas fin ou l'autre très bien, mais pour dialoguer, pas nécessairement avec moun avec qui vous avez yon menja, ou dialoguer avec moun qui a différence avec yon sur ensemble de sujet. Jodi, dialogue ça a commencé avec des leaders d'organisation dans plusieurs zones de région métropolitaine du Port-au-Prince. L'autre information, Club 25, une organisation dans Matissan, dans tête collée avec Focal, organisé une journée collecte de sang, journée vendredi 17 juillet 2015, dans Port-au-Prince. Activité ça qui joue une support la Croix-Rouge rentré dans cadre démarche pour permettre institution en joindre sang pour assister population dans cadre accident ak n'importe l'autre maladie qui capable attaquer un citoyen. Robinson Voltus, c'est un responsable Club 25 qui était dans micro Radio Télé Éclair. C'est une activité qui est organisée de façon conjointe avec la Focal et la Croix-Rouge haïtienne. Que nous gagnons tout Club 25 de Fontamara qui accompagne l'activité ça. Activité ça, c'est une activité de 3 jours. Il était commencé jeudi 9 juillet, côté que tu as gagné une mobilisation, une sensibilisation qui était faite autour de la collecte de sang. Et en vendredi 10, collecte de sang était faite à Martissan, porte de Martissan, Focal. Côté que nous avons gagné 168 personnes qui étaient présentes, dont des enseignants, des élèves, des directeurs d'école, des membres d'organisation du quartier de Martissan, des membres de noyaux. Les noyaux, ce sont des structures de volontaires qui travaillent dans un projet qui est
gestion urbaine de proximité focale. Et je dis, c'est le troisième jour là, mais qui c'est le deuxième jour de collecte de sang qui a organisé ici dans le bureau focal avenue Christophe. L'activité ça a fait, c'est le but pour collecter du sang pour malades nous, de monde qui accidenté ou capable de sang, puisque collecte de sang des donneurs n'est pas trop facile dans un pays. Tant pour la Kaino, à côté de tout problème nutritionnel qui gagne, ainsi la focale lui-même qui est une organisation citoyenne, lui voulait permettre que gagne des donneurs qui baissent et lui-même lui ouvre l'espace à la voie où j'aïssais. Est-ce que c'est focal, c'est qui genre de monde qui est qui baissent? Est-ce que c'est qui type de monde qui genre choisit pour ça ou baissent? Est-ce que c'est volontaire ou bien? C'est une activité de volontariat, de bénévole, côté que c'est seulement des appels qui fait, des invitations qui fait, à la fois auprès de l'organisation, de particuliers, par exemple, pour Avenue Christophe, appel en fait à tout le monde qui a fréquenté l'espace, côté employé focal, côté visiteur, de lecteurs. Il y a des gens qui viennent dans deux rencontres ici. Même Jean pour Mortissant, c'est employé porte Mortissant, focal. C'est membre communauté, membre organisation, membre noyau, élève l'école, professeur, directeur école. Nous faisons des invitations, soit par des appels ou bien de visite. Nous allons dans l'école, nous annoncer qu'il y a un collègue de sang qui a fait et puis nous venons tout bonnement volontairement. Direction nationale Livre lance un grand concours qui baptisé Prix René Philoctète de la poésie en créole ou bien français jeudi vendredi 17 juillet 2015. Activité ça a bay possibilité à jeunes sorti 18 pour arriver 30 l'année rentrer dans cadre programme DNL à réaliser dans mémoire poète haïtien René Philoctète qui était décédé 17 juillet 1995. Plus détails avec directeur général DNL là Franz Carly Jean-Michel qui était dans micro Garlens lui avec Mackenson registre. 17 juillet 2015, ça fait 20 ans depuis que monsieur est parti pour un long voyage. Pour honorer mémoire monsieur, Direction nationale Livre décidé lancer un concours que nous le prix René Philoctète de la poésie. Qui monde qui a participé dans le concours? Tout d'abord, fait âgé entre 18 et 30 ans. Concours haïtien. Vous êtes capable d'utiliser deux langues, créole avec français. Format manuscrit, fait ni c'est 8,5 par 11. Quantité de pages, pour pipiti ou bail, c'est 30. Maximum, c'est 50. On a commencé à partir du 20 juillet qu'on vient là recevoir texte dans le bureau de DNL qui est Chita dans 8-3, Paco, numéro 10. Date limite pour le bail texte, pour soumettre manuscrit, c'est 9 septembre 2015 avant 4 heures. Et on a proclamé le résultat jusqu'à 28 octobre 2015. Dans l'occasion 10 ans DNL, il y a une série d'activités que nous devons gagner pour informer le public. Là. Parce que l'année ça, nous allons fêter 10 ans DNL. Et pendant la fête 10 ans DNL, nous allons mettre prix à gagner au concours. Il y a 3 prix. Le premier prix, c'est 100 000 gouttes. Et nous avons publié le texte qui prime à hauteur de 1000 exemplaires. Deuxième prix, c'est 50 000 gouttes. Et troisième prix, c'est 30 000 gouttes. Donc, tout le monde qui est intéressé, tu as commencé à partir de lundi, déposer le texte. Collectif candidat dans la Saline, yo condamné à attaque yo fait connaître la police te mené dans la zone La Saline samedi 11 juillet passé.
Youn candidat yo Walking Florida longe dwèt li sou pouvoir en place la selon sa li fè konnen kap utilize tout moyen pou ekate candidat quartier défavorisé yo nan course électorale la. Walking Florida se candidat pou poste magistrat sou bannière solution ki te nan micro radio télé éclair. Ti pouvoir tête calé a c'est utiliser toute forme de répression pour exclure quartier populaire yo dans l'élection 2015 spécialement peuple la Saline. Comme ça, jour qui était samedi 11 juillet 2015, force répression bourgeoisie malbouante, mêlée à policiers à attachés pouvoir, déclenché une série de répressions, arrestations illégales, côté le Batmoun, force moun marron, sous prétexte qu'il a cherché bandit. Pourtant, bandit légal, tant pour son la familia, Renel le récif, a psychilé libé sans la bérisse. Nous même collectif candidat à la Saline, nous condamnons à toute force nous, toutes actes illégaux et malhonnêtes. Nous avons fait appel à l'Organisation nationale et internationale de l'Amounio pour nous accompagner nous dans la bataille contre la répression politique que le gouvernement Paul Matelia voulait instaurer dans le quartier populaire. Nan page international journal la, 9 moun mouri, parmi yo yon fillette 9 l'année, se bilan yon attentat suicide nan pati nord pays Nigeria, jounen vendredi 17 juillet 2015 la. Nouvelle attaque suicide sa fait yon jou après explosion de bombes nan yon marché nan ville Gombe. Sakte la cause la mort 49 civils, yon série attaque selon toute information qui tapote Mac Fabric Boko Haram. An suivi un reportage avec Euronews. Elle avait juste 10 ans. Ce vendredi matin, une fillette s'est fait exploser avec une autre femme âgée lors de la première prière après le Ramadan. Bilan, 9 morts à Damaturu, dans le nord-est du Nigeria. Une nouvelle attaque suicide au lendemain d'un carnage. 49 personnes tuées par l'explosion de deux bombes dans ce marché de la ville de Gombe. Les habitants faisaient leurs courses en vue des célébrations de l'Aïd. Ces attentats portent la marque de Boko Haram. La secte islamiste est la cible d'opérations de tous les pays alentours. Sur les rives du lac Tchad, 19 islamistes ont été tués alors qu'ils tentaient d'attaquer une garnison tchadienne. Un soldat tchadien a perdu la vie. L'armée nigérienne annonce de son côté la mort d'au moins 30 membres de Boko Haram à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Yo l'année après crash avion Malaysia Airlines lan nan pati l'est pays Ukraine tout près frontière russe la toujours pou ko gen aucune conclusion qui fait sous enquête yo. Nan occasion an plusieurs milliers ukrainiens rend hommage à victime yo pendant président Petro Porochenko bon côté parle nan yon vidéo longe droite sous séparatiste pro russe comme celle responsable catastrophe ça qui était la cause la mort 298 passagers parmi yo 193 néerlandais. On suivi un reportage avec Euronews. L'Ukraine rend hommage aux victimes du MH17 abattu dans le Donbass il y a un an. Comme en 2014, les Ukrainiens apportent des fleurs et des bougies à l'ambassade des Pays-Bas à Kiev. Un an après le drame, l'émotion se mêle au besoin que justice soit enfin rendue en Ukraine. Tous ces anonymes sont venus dire leur soutien, leur émotion et aussi leur incompréhension. Je ne sais pas quoi dire, dit cette femme. Je comprends la douleur de ces familles, c'est difficile pour eux. Je crois que toutes les personnes honnêtes et justes sont en deuil avec eux. Pour ce député qui est venu rendre hommage aux victimes devant l'ambassade, l'important aujourd'hui c'est d'attirer l'attention sur le fait que les coupables n'ont pas encore été punis. Juger les responsables une priorité pour les autorités. Alors que les députés ont observé une minute de silence en hommage aux victimes, le président Porochenko, dans une vidéo, a pointé du doigt les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. Cet avion civil avec 298 personnes à bord a été la cible d'une attaque terroriste impitoyable, a-t-il dit. Une attaque lancée depuis un territoire occupé par les miliciens pro-russes dans l'est de l'Ukraine. L'arme hautement technologique avec laquelle l'avion a été abattu n'a pu arriver entre les mains des terroristes que via la Russie.
correspondant en Ukraine, Sergio Canton, a rencontré l'ancien chef du SBU, les services de sécurité ukrainiens. Il lui a demandé des indications sur les preuves les plus importantes qu'il détenait. Valentin Nalivashenko a assuré avoir la preuve qu'un système de lancement de missiles modernisé Buk-1M avait été amené sur zone et utilisé avec l'appui des militaires russes et qu'il a été évacué ensuite. Une preuve parmi les plus solides dans le dossier qui en comporte de nombreuses autres, a assuré Valentin Nalivashenko. Valentin Nalivashenko, qui a récemment été démis de ses fonctions, il était en charge du SBU quand le MH17 a été abattu sur le territoire contrôlé par les rebelles. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière sortie du journal nous pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. La Commission présidentielle pour réforme justice l'a organisé jeudi vendredi 17 juillet 2015. Un colloque validation avant projet nouveau code pénal haïtien. Une initiative qui permet différents acteurs qui impliqués dans le système judiciaire. Discuter et puis faire proposition sur un nouveau code pénal ça qui pourra remplacer code pénal 1835 là. Rencontre journée vendredi 17 juillet 2015 là entre NDI et représentants diverses organisations de base. Initiative ça rentré dans cadre démarche pour faciliter organisation yo exposer problème population à traverser. Lancement officiel, journée vendredi 17 juillet 2015, l'an, concours prix René Philoctète de la paix dans la Direction nationale livre. Yon concours qui a bien pour réaliser en créole ou bien en français. Dans la page internationale journal, là, yon l'année après crash avion Malaysia Airlines, l'an, dans la partie l'est du pays Ukraine, tout près frontière russe, là, toujours pour qu'on ait aucune conclusion qui fait sous enquête. Yon. Dans l'occasion, plusieurs milliers d'Ukrainiens rendent hommage à leurs victimes pendant le président Petro Porochenko pour côté parle dans une vidéo longée de l'être sous séparatiste pro-russe comme seul responsable de la catastrophe qui est la cause de la mort de 298 passagers parmi eux, 193 néerlandais. Ces principales informations qui tapent dominer l'actualité, arrêtez branché pour cette programmation télévision. Bon week-end.